Le projet s'intitulait Slam for All. Dans Slam, on attend le mot Slam. Dans Slam for All, qu'est-ce que je veux dire par là? L'idée derrière, tout d'abord, j'avais fait la présentation, mais comme on était en retard, je vais aller très rapidement. Il n'y a pas d'image dessus. Voilà. Donc, à la base, on sait que tout le monde ici aime la musique. Tout le monde écoute la musique du matin au soir. Donc, soit du reggae, soit du slam, tout genre de musique. Voilà. Donc, nous, on est parti sur cette base. Donc, on s'est dit, bon, majorité des jeunes, on écoute la musique, on aime la musique. Pourquoi pas ne pas faire un projet qui implique ce domaine-là? Donc, on s'est dit, on va créer une plateforme, en ligne. Donc, qui va essayer de mettre en relation les gens dans différents pays qui ont un truc en commun qui est la musique. Donc, l'idée, c'est de créer une plateforme comme SoundCloud, Deezer, toutes les plateformes qu'on écoute sur lesquelles on utilise pour écouter la musique. Mais la particularité du projet est de créer une plateforme sur laquelle, si par exemple moi, je suis dans mon pays, je crée une musique donnée, une autre personne en Tunisie a les compétences nécessaires que moi j'ai pas. Je mets ma musique, j'upload ma musique sur la plateforme. Cette personne se connecte, c'est comme un document collaboratif. Donc on travaille sur un même projet, comme un projet de son. Donc ce qui veut dire qu'il va mettre en relation tous les artistes, pas forcément les artistes, les novices, les artistes, les experts, les gens du domaine. Donc ça crée un peu un réseau en Afrique. Donc l'idée, on est parti de cette idée-là. Bon, l'idée a germé, donc je suis seul à avoir une idée. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'approfondir l'idée et après d'en parler aux gens. Bon, j'ai approfondi un peu l'idée, j'ai vu la faisabilité du projet. Je me suis dit, bon, ce projet, il faut des compétences nécessaires. Il faut des personnes qui maîtrisent le domaine du développement. Cette compétence, j'en ai pas. Il faut trouver une personne qui maîtrise tout le concept de la musique, qui sait faire la musique, qui sait comment ça fonctionne. Il faut trouver cette personne. Donc, en tout, je vais dire, j'ai pas trouvé cette personne-là. J'ai trouvé trois autres personnes. Ils sont tous dans le développement. Donc, vous voyez un peu, il y a un déséquilibre. Il faut que tous ces éléments soient au point avant que le projet démarre. Or, moi, les personnes que j'ai trouvées, c'est les personnes qui sont plus ou moins avec leur ordinateur, sont dans le côté, dans le côté. Or, moi, je veux une personne, par exemple, artiste, j'ai oublié son nom, je veux une personne qui maîtrise l'art. L'art, c'est la musique, qui fait de la musique. Ouais. Donc, cette personne peut dire un peu plus sur comment la plateforme va fonctionner et comment il peut travailler sur un même son donné. Donc déjà, le développeur, ça casse tout. C'est les gens, une cohésion, il n'y a pas de compréhension entre moi et les gens. Donc déjà, c'est une faille du projet. Ensuite, le deuxième faille, c'est quoi? Moi, dans le pays d'où je viens, il n'y a pas tout le monde qui a accès à une bonne connexion. Et si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, et si je prends ces différents pays, c'est des pays qui ont le taux de pénétration d'Internet dans ces pays-là est très faible. C'est pas comme en Tunisie, en Europe, en France par exemple, ou bien aux États-Unis. Donc, pour que le projet fonctionne, il faut que les gens aient accès à la plateforme, il faut que les gens travaillent sur la plateforme. Ben, sans Internet, qu'est-ce que je peux faire? Parce que sans la clé, je ne peux pas travailler sur la plateforme. Donc déjà, c'est encore une phase dans le projet. Voilà. Donc c'est les deux grandes failles, je veux dire. Mais le truc qui m'a le plus marqué, c'est quoi? C'est l'équipe. Pour travailler sur un projet, pour évoluer dans le domaine entrepreneurial, il faut savoir trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes avec qui on travaille. C'est pas dit, on a l'idée, c'est vrai. Voilà. Toi, tu ne peux pas évoluer dans l'idée. Donc, il faut trouver les bonnes personnes. Dans la salle ici, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs compétences. Mais il faut trouver les bonnes personnes et savoir que cette personne a telle compétence, la compétence que tu veux. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Donc, ce qui est un peu varié au projet. Donc, et on a essayé de
de vibrer un peu, on a laissé l'idée de plateforme. Parce que quand le développeur est là, arrivé à un niveau, il faut du flou, il faut de l'argent, il faut dépenser, hein, il faut dépenser de l'argent pour le payer, un truc comme ça. Bon, je me suis dit, les gars, vous voulez pas saigner avec moi, parce que bon, tu as une idée, c'est ton bébé à toi, il faut qu'on dise. Je me suis dit, bon, vous voulez pas saigner avec moi, ok, d'accord, vous quittez le navire, moi seul je continue, j'essaie de réfléchir sur le truc. J'essaie de réfléchir, je me suis dit, ok, mon domaine c'est le social media, donc c'est un peu ce que je fais, là, les stratégies sur les social media, les réseaux sociaux. Je me suis dit, pourquoi ne pas lancer soit un blog ou bien une page Facebook. Qui va essayer, j'ai changé, je me suis adapté à la situation. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, comme ça n'a pas marché, il faut rester là, il faut oublier le projet. C'est ça ce qu'on appelle la réadaptation. Donc, je me suis réadapté à un nouvel environnement. Donc, je me suis dit, ok, ça n'a pas marché, les développeurs ne sont pas là pour travailler, ok, on revient ici, on a internet, on a les social media, je maîtrise un peu tout ce qu'il y a là-bas. Je crée une page Facebook pour commencer, un blog, un compte Twitter pour commencer, mais ce ne sera plus une plateforme qui va essayer, en attendant que l'idée gère, ce sera une page Facebook qui va essayer de mettre en contact des experts. Si par exemple je fais de la musique, je suis expert en rap, et j'ai un petit qui aime du slam, parce que chez nous, en Afrique, il y a les gens, les jeunes qui veulent nous chanter. Qui ont le flair pour la chanson. Donc ils ne sont pas forcément des experts du domaine, mais il faut ce qu'on appelle du coaching. Donc l'idée un peu c'est de mettre en relation ces deux environnements. Donc les gens qui sont déjà dans le monde, qui travaillent, et des jeunes qui viennent de démarrer, faire du coaching, la liaison entre les deux. Ok? Au début on a lancé la page Facebook. Les gens ils ont liké. Il y avait du mouvement tout au long de ça dans tout. Mais le seul problème qu'il y a, ça y est encore là-bas, c'est que quoi? Il faut trouver les experts, il faut trouver ces experts-là et les mettre en contact avec les jeunes. Arrivé à un niveau, il y avait une demande considérable que moi je ne peux pas gérer parce que je ne suis pas expert en aussi. Et on ne trouve pas d'experts pour pouvoir coacher ces gens-là. Donc ça se retourne vers toi. On te dit, bah, tu nous as promis quelque chose, tu ne donnes pas ça à Léon pour le camp, boycott ce que tu as fait, la page Facebook, bah, ce n'est rien, n'allez plus sur la page, etc. Donc c'est un peu ça, parmi mes projets, une des projets sur lesquels j'ai travaillé, et ça, je veux pas dire catastrophe, parce que l'idée est là, je vais développer après l'idée, après ça va rebondir. Ah, pour revenir un peu sur la troisième partie de ma présentation, donc les quatre choses que j'ai appris. La première chose, comme je l'ai dit, l'idée ne suffit pas. Tu as beau avoir l'idée, c'est vrai, c'est bon. Mais l'idée en lui seul ne suffit pas pour pouvoir démarrer. C'est-à-dire, tout le monde peut avoir une idée, mais il faut la ressource humaine. Donc, c'est l'élément clé. Les compétences aussi, voilà. Il faut les ressources humaines qui ont des compétences. Voilà, donc je mettrai les deux ensemble. Et pour avoir ces gens-là, on sait que bon, telle personne il est bon en production management, telle personne il est bon en développement, ok, je le prends, il est prêt à investir de son temps. Il ne s'est pas dit, moi je vais le payer, on travaille ensemble, si ça donne quelque chose, ça donne. Le deuxième élément aussi que j'ai appris, c'est le travail collaboratif. Donc c'est un mouvement que je défends depuis. Mais ça m'a permis de voir un peu l'esprit collaboratif, ça marche. Il faut se mettre en collaboration avec d'autres personnes pour pouvoir donner un peu plus de tonus à ton projet. Donc il y a un proverbe africain qui dit, pour aller plus vite, on va seul, mais pour aller plus loin, on va avec les autres.